avant, par contre, pour retrouver les autres tribus de l'Arbin. Adieu, Norberg. Bah, j'ai déjà un massacre de ville à faire. Non, mais non, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Ah, mais on va à Norberg. Bon, ça va. Ah, voilà donc en ville. Prenons une quinzaine de brins, vu que maintenant ils sont plus forts. Une quinzaine de brins, j'ai dit, et... Et quelques rouges. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui. Ma récompense. Ah, et nous. Pardon, j'ai un okay. On m'a ouvert les portes de la ville, mais l'Arbin patrouille en ville. C'est magnifique, il y a des loups ici. Ok. Donc apparemment, par là-bas, c'est la suite de la quête. Mais, je m'en branle, on va déjà massacrer tout le village. Et finir de le visiter, parce qu'il y a peut-être 2-3 objets qui traînent. Il y en a au moins un qui traîne. De la neige, de la neige, de la neige. Qu'est-ce que j'aimerais voir des vrais pavés parfois. Tiens, t'en veux un de pavé, en voilà un. Et donc là, tout le monde est en fuite. Non, je peux pas dire à mes larbins de les attaquer. Ah, ils vont me dévorer. Mais non, mais... Faut tout que je fasse à la main, là. Alors que... Et la caméra à l'eau. Ah, ils vont me dévorer. C'est super chiant. Dans le 1, à partir du moment où on avait commencé à tuer des gens, on pouvait massacrer absolument tout le monde, quoi. Alors quand même, il faut que je trouve les 100 villageois et que je les massacre moi-même. Putain, mais... Alors, c'est dingue, le jeu est vraiment mieux que le 1 sur pas mal de points. Mais il y a des idées qui ont disparu du 1, je ne comprends pas. J'ai l'impression de jouer à Death of the Outsider, je suis déçu constamment en ce moment. Ou Life is Strange. Mais Fist Range, ça va, je l'excuse. Y'a quoi par là? Je vais où là? Ah mais c'était le... C'était le tuto. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de... J'ai perdu de l'arbin, non, dans l'affaire? Je suis en train de remonter tout le tuto, y'a intérêt à avoir un truc. Attends, je peux viser ça, j'ai vu. Rentrer là-dedans. Ah ouais, on peut rentrer dans les maisons et tout casser. Effectivement, on peut tout casser. Ah, il y a un truc là. Ah non. Ah mais si je reviens au début du tuto et qu'il n'y a rien à récupérer... Ok, bon, il y a ça. Vendu. Vendu, ça va. Ben ouais, non, mais on va massacrer la ville, mais ça va prendre un certain temps. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Il paraît que l'Empire recherche les sanctuaires. Mais... Et je sais même pas s'ils existent. Mais en fait... J'aimerais bien que mes larbins puissent les massacrer, vraiment. Il y a une touche, je loupe un truc. Dans le premier jeu, il y avait même dans le premier village, il y avait plein de paysans qui étaient à côté de... De bouteilles de bière, et c'était super dangereux en fait quand on essayait de massacrer les villageois, parce que si jamais ils buvaient de la bière, ils devenaient trop pétés. Alors que là, mes larbins, ben... Ça, en combat, je sers à rien en fait, mais les larbins, mais en massacre de gens pour être maléfique, par contre... Puis vu qu'ils fuient, faut leur courir après, alors que j'ai envie juste d'envoyer mes... Il doit y avoir une touche, il y a forcément... Attendez. Vous, là. Ils vont me dévorer. Mais non, regarde, t'es mort. Attendez. Option. Jeu. Non, je veux voir les contrôles. Y'a pas de voyant, je peux pas voir les touches. C'est dans le menu peut-être. Oh, c'est fatigant. Là-bas y'a un truc, j'ai vu. Mais en plus, voilà, faut péter toutes les maisons, parce que du coup y'a des gens qui en sortent. Bon, rentrer là-dedans, péter tout. Derrière, une fois qu'on aura détruit toutes les maisons, au moins on sera assuré que les villageois sont dehors. C'est genre super chiant, c'est du super farming en fait.
Voilà. Bon, c'est bien, hein, tout l'or qu'on récupérera nous payera armure et... Bonjour, mourir, voilà. À mon avis, Mornus n'a eu que ce qu'il méritait. Toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une espèce de bateau ou je ne sais quoi, d'accord. Vous allez tous merdier. Il y a quoi là? Non. Oh! Oh la thune! Ah oui, alors j'aime l'argent. J'aimerais bien comprendre le... Quelle touche j'utilise jamais? Ça c'est pour les... Cette touche j'utilise jamais, j'ai l'impression. Peut-être qu'elle peut me servir à massacrer. Pour le bateau ici. Ah mais il y a de la vie là ou quelque chose. Attends, montons sur le bateau. Ben on peut rien faire. Ah faut des bleus. Faut des bleus pour pousser le bateau. D'accord, compris. D'accord, d'accord. Tout va bien. Ben je suis bien gêné par cette histoire de... de civil intuable. Enfin intuable. Que je peux pas donner, envoyer mes larbins. Massacrez-les. X peut-être. Non, X, voilà, X c'est pour les tuer en mode... Blarme. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va péter une ou deux maisons dans le coin. On va arrêter hein, de fermer. On va péter 2-3 maisons dans les environs. Et puis on va peut-être faire 10 kills. S'il y a 10 kills, il n'y a rien qui s'active. Arrêtez de fuir. Mais non, mais en plus vous fuyez, donc faut vous poursuivre et tout. Ah j'en suis à 14 kills, ouais ben laisse tomber. D'accord, bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser ça un peu détruit, ravagé et tout ça. Et mais ils bug avec leur loup, regardez-moi ça, c'est terrible. Bonjour, cette porte n'est pas ouverte, c'est normal? Ah c'est l'autre côté. Voilà, on va détruire cette dernière maison. Et puis on va continuer notre aventure incroyable. Et puis la prochaine fois qu'on reviendra, j'essaierai de regarder. Déjà les doubleurs, parce que je suis intrigué. Et aussi au niveau des touches et ce genre de truc. Si je suis pas en train de manquer une touche qui faciliterait le massacre. Regardez ça, parce que je peux envoyer l'arbin. Donc le mec peut plus bouger. Alors bon d'accord, déjà je peux retenir ce combo. Quand je vois mes bestioles autour d'un mec, il est terrifié et je peux l'approcher du coup. La vermine s'en prend à moi. Mais je préférais qu'il le massacre quoi. Je sais que j'ai vu un truc de magie aussi là-bas, on va aller le chercher. Mais ouais, on s'occupera de Norberg plus tard là parce que... Ben... C'est un peu gênant quoi. Attendez. Donc il y avait... Ah d'accord, je vois comment faire le tour mais apparemment ça va nécessiter les verres. Et là la map me... Ah voilà, donc ça visiblement c'est du poison. Donc il me faudra les verres pour faire le tour plus tard. Bonjour, bon on va massacrer ceux qu'on croise quand même. Genre en fait je pense que... Parce que, attends. Ouais c'est à dire qu'en plus, si jamais je fais l'erreur d'asservir un mec, vu que la population est limitée, je pourrais ni remplir la quête de l'asservissement, ni du kill. Mais du coup... Oh. Du coup c'est mal foutu en fait. Voilà quelqu'un qui sait, oui. Je parie que Solarius n'a jamais travaillé dur de toute sa vie. Parce que en fait c'est pour ça qu'il veut pas me laisser tuer les gens au pif. Si jamais je voulais les asservir. Mais je veux dire là quel est l'intérêt pour moi de les asservir. J'ai 4000 pièces, waouh. Pour se faire des trucs. Bon, continuons l'aventure. Et puis on verra plus tard pour cette histoire de Norberg. Je ferai du farming dans mon coin, de ces quatre. Voilà le navire. Il est pris dans la glace. Et c'est bien dommage. C'est lui. C'est moi. Partons d'ici immédiatement. Ah, c'est eux les rebelles. Salauds de rebelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay, c'est une porte. Ah mais attendez, j'ai pas tout mis l'arme. Venez là vous.
qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des pêcheurs. C'est des pêcheurs rebelles. Ah, mais ils m'ont volé! Mettez-vous là. Massacre tout le monde. Massacre les rebelles. Des rebelles? Comment ça? Des rebelles alors que je viens de prendre le contrôle de la ville? Je ne comprends pas. C'est pas normal. Vous devriez me féliciter. Voilà, non. Allez, tout le monde revient, on a massacré tout le monde. Cassez ces igloos de gens, cassez tout. Massacrez-moi ces rebelles de pêcheurs là. Vous pouvez pas être comme les gens de la ville, être tranquille, docile, vous laisser tuer sans bouger. C'est bien, voilà. Je suis plus difficile à tuer qu'un phoque, hein, ça c'est sûr. Ok, donc là on peut pas tellement passer. Bah, alors. Allez. Bah voilà, lui j'aimerais bien le tuer, mais du coup, voilà, faut mettre des larbins, puis le taper deux fois. Tiens, paf, pouf, pif. En plus on récolte plein d'or, je sais pas si on vous gagne. Cette chose noire et gluante est du goudron, seigneur, hautement inflammable, et les gnomes font d'excellentes mèches. Oh, des gnomes! Massacrez-les! Massacrez-les, ça fait partie du génocide qu'on doit faire. Et moi, le génocide, ben, je dois avouer que là, tout de suite, sur le CV, ça ferait quand même pas mal hein, pour personnage le plus démoniaque du monde. Mais massacrez-les tous. Oh, il y a des gnomes en train de se baigner dans le goudron. Oh, ce serait vraiment très con que quelqu'un se pointe avec ses rouges et tire dans le tas. Hautement inflammable, vous foutez de ma gueule. Regardez comme la glace fond, oh, je m'attendais pas. Oh mon dieu, des gnomes. Oh, je m'attendais pas à une telle éruption de. Waouh. Oh, des lapins. Massacrez leurs âmes pour moi. Il y a encore des pêcheurs, et où? Revenez. Eh ben. Allez, tourne leur. Ah oui, cassez ça. Voilà, maintenant, cassez leur gueule. Miam 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 miam. Cassez. Oui voilà, tuez-les, purement simplement. Revenez. Les rouges. Les rouges, ouvrez ça. Voilà, c'est ça. Aspirez cette magnifique flamme. Les rouges, allô, les rouges, il faut y aller, hein. C'est long. Et voilà, et puis je me suis mis le feu, bien sûr. Mais c'est juste qu'ils sont nuls. Voilà, maintenant, les rouges, les flammes. Ah, voilà, absorbez les flammes. N'attaquez pas nos bouts de bois, vous n'êtes pas fort. Juste absorber les putains de flammes. Pourquoi je perds des... Je pense qu'ils les ont tués. Ouais, ils les ont pas tués, j'ai vu personne mourir. Ouais, ils les ont tués là en bas. Mais... Ah, ça commence à être con. Manque d'autres, hein. Reprenons quelques brins là. Deux brins de rouge. J'ai perdu deux larbins, mais est-ce qu'ils sont perdus et sont revenus au puits ou est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Récupérer? Je vois des coffres. De l'or! J'aime l'or! C'est bien, bah, j'ai l'impression qu'on n'avait pas beaucoup d'argent après Norbert, mais en fait, le saccage de la ville va très certainement nous rapporter énormément d'argent. Qu'est-ce que c'est là-bas? Les environnements sont jolis par contre par rapport à... Putain, par contre, c'est un lance-flamme le truc qu'on a activé. Bah. Oh, bonjour! Bonjour, je suis le nouveau... c'est moi qui commande maintenant en fait. Donc. Vous poussez, vous laissez faire. Vous arrêtez de résister surtout. Je veux dire, c'est pour vous après. Hein. Vous habitez pas en ville. Vous avez la chance de ne pas habiter en ville. Vous ne ferez pas partie des massacres. Donc restez calme. Restez calme dans les campagnes. Sur les réseaux sociaux. Et faites pas chier. Voilà, ça sent un petit peu... voilà. Brûlez tout quand même. C'est un peu moi qui viens les chercher, je dois bien avouer. Oula. On va aider hein, ils sont quand même beaucoup. Bien que les rouges mettent le feu à tous merder.
Oh non, ils m'ont tué un. Là, je l'ai vu. Je vous ai vu le tuer. Pas cool. Allez, tout le monde revient. Mais ça, attends. C'est pour ça qu'il nous faut des bleus. Il nous faut des bleus pour récupérer les petites pertes comme ça. Le problème des bleus, je dirais même le... Il manque des musiques très cool hein, depuis tout à l'heure. Il y a eu l'attaque de Norbert qui était ça. Le problème des bleus et même la contradiction des bleus, c'est que les bleus ils sont super cool pour... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autre truc de goudron? Les rouges. Mettez-vous là, tirez-moi sur ces cons. Voilà, 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 voilà. Mais c'est pas du goudron ça, c'est juste pour décorer. Si, c'est du goudron. Mais pourquoi il n'y a pas de... Mettez le feu au puits de goudron. Ben Ok, les rouges. Mais je peux pas mettre le feu au puits de goudron là. Ça je peux pas y mettre le feu, on est bien d'accord. Peut-être pour plus tard ça. Peut-être pour plus tard, de toute façon on peut rien y faire. Ah il y a un truc là, 6. Ah non d'accord, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, ne paniquez pas. Bon, tout le monde revenait. Voilà, massacrez-moi ce... Fais chier, toi. Massacrez tout et n'importe quoi. Là, là, il y a peut-être d'argent, il y a peut-être de l'argent dans ces trucs. Pourquoi je peux pas avancer? Je suis coincé. Récupérez, récupérez, massacrez. Où sont mes troupes? Regardez, regardez ça, ils sont partout sauf là. 18 sur 19, on en a encore perdu, hein, c'est pas vous. Voilà, donc il y avait du goudron ici, d'accord, fallait le faire couler vers les gnomes. Très bien, très bien. Bah voilà, 19 sur 19. J'ai perdu pas mal de vie d'ailleurs. Donc voilà, le goudron va couler. Dans cette magnifique fosse. Et on va mettre le feu à tout ça, de loin par contre. Voilà. Ça part un peu au quart de tour quand même. Donc ça, ça va fondre. Ah, par... Et je vois de la thermodynamique. Alors pourquoi ça s'affond et pas tout le paysage autour, aucune idée. Des fuck. Des fuck. Massacrer là. C'est bon, on me tire dessus. Oh là là, les bruits de la mort. Je crois qu'on m'a tiré dessus. Je vais te trouver hein. D'accord. Je prends note. Vous m'avez demandé hein. On me tire encore au-dessus, au-dessus. Bonjour, vous êtes qui? On n'en saura pas plus. Donc il y a un autre puits de goudron là en bas. Bah oui. Oh putain. Ça part au quart de tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais on pouvait rapprocher la caméra d'ailleurs. Je suis désolé, on voit la caméra de loin. Ça me gêne pas plus que ça moi mais... Alors à dire, n'hésitez pas à commenter quelle est la vue que vous préférez. J'avoue que celle-là est pratique juste pour savoir un peu où, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'envoie, quel est le but de ma vie. Mais celle-là est bien pour les combats aussi. J'ai embrasé le paysage n'empêche. Bonjour, vous êtes vous avez pas trop chaud? Ah j'ai une... J'avais une lance dans le bras quoi. Pas cool. C'est lui, le petit sorcier. Enfin, plutôt le grand monstre. Ouais, maintenant c'est un peu... Vite! C'est ça. Attendez, il est peut-être miséricordieux. Ah oui, peut-être. Pardon pour tout ceci, seigneur. Les gens d'ici sont un peu allergiques à la mort. C'est terrible. Avec un peu de persuasion, ils pourraient vous aider dans votre quête. Peut-être en faisant ça. Tu es en train de me dire qu'à l'aide de ta petite, ton petit truc de dynamite ridicule, tu m'offres la possibilité incroyable de faire fondre la glace, alors que moi je suis déjà en train de massacrer tout l'écosystème à coups de goudron. Non, non, mais t'as pas... Bob,
Bob. Regarde, t'as pas compris le... D'accord, moi je peux rien faire. Super. Continue tout seul, Bob. Donc j'ai le choix entre 10 villageois ou mettre le feu à tout à l'ensemble. Bonjour. Voilà, possible. Tiens, rentrer dans les chaumières. On peut pas. Il y a une porte, mais on peut pas rentrer. Moi, l'allergie à la mort, hein, je comprends. Hein, c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement aussi. Mais je me dis que je pourrais juste tous vous massacrer en fait. Mais il est où mon dernier puits de goudron? Mettez le feu au puits de goudron géant où est servi ses 10 villageois pour qu'il retire la glace. Le puits de goudron géant. Non, on parle. Ah voilà, on peut se faire la paix et ça envoie des pêcheurs fous pour m'agresser. Je ne crois pas. Non, on l'a pas fait exprès, c'est vrai. De quoi, de vous rebeller? Ah si, il y a un moment, faut assumer les choix aussi. Hein. Faut assumer. Après, vous avez dit, j'étais peut-être miséricordieux. Alors moi, j'avoue que le concept de la miséricorde, je trouve ça très intéressant, mais après... Après, j'ai envie de vous dire... Ah bah ça y est, ils attaquent les villageois. Alors, ils les attaquent parce que c'est coup de balle ou... Qu'est-ce que la nature t'a fait? Pourquoi toujours choisir la voie de la destruction? Bah c'est sûrement pas toi avec ta voix de hippie qui va me faire changer d'avis, hein. Ah les elfes maintenant, oh là là, ouais, vous êtes chiants, hein. Ils sont pas mauvais les elfes. Et bah voilà, de la musique, de l'ambiance du combat, de l'asservissement, du massacre. Asservissez-moi, mais ne me tuez pas. Dialogue assez rigolo. Non mais ouais, ils ne font rien. C'était pas mon idée. Trop tard. Moi je veux. Bonjour, vous êtes un elfe? Tirez lui dessus, il y a un ennemi devant là, les rouges. Faites feu quoi. Attrapez-le. Ouais, alors étonne explosif, attendez. Alors, si je me rappelle, dans le 1, on pouvait prendre un rouge et lui dire prends ce tonneau. Ouais. Prends ce tonneau et va le porter. Enfin, c'était pas les tonneaux, c'était les bombes. Mais il pouvait prendre les bombes et aller les porter sur les ennemis. Enfin, sur les ennemis ou les trucs d'intérêt. C'est plus possible ça? Peut-être que ça reviendra plus tard. Ah oh, ils font un peu mal les tireurs. Hein. Un peu mal à ma... Ah bah il est là depuis le goudron géant. Ah mais le paysage va être délicieux une fois que j'aurai mis feu à tout ça. Rien à voir avec ça, je le jure. Votre laissez envoyer un mail. Envoyez un mail, j'y répondrai potentiellement. Bon, y'a quoi par là? Je crois qu'on me tire encore dessus. Oui, bonjour. C'est là, en fait, il faut que je peux récupérer les 10 villageois comme ça. La noirceur approche. Oh, la noirceur. Ah bah c'est beaucoup mieux que petit sorcier, la noirceur. Là, on se met d'accord sur les surnoms. Mais je gagne pas de points de méchanceté parce que je les massacre. Enfin, je gagnerai sûrement des points de méchanceté quand je mettrai le feu à l'ensemble de l'environnement. Mais, alors, récupérer tout ce merdier. Alors, il y a un petit truc très gênant, entre guillemets. C'est que à chaque fois que je fais un kill de gâchette pour envoyer un larbin, dès qu'il récupère, casse un truc ou fait une action quelconque, quasiment, la manette vibre un peu. Et donc j'ai constamment l'impression d'activer la vibration de ma manette en appuyant sur la gâchette. Et en vrai ça fait peut-être ça dans les jeux aussi. Je sais pas, moi ça me gêne. Tiens, regardez. Vous voyez là ce truc? Ah mais non, mais c'est eux qui mettent le feu. Genre ils ont tenté de me piéger. Bon bah bien joué. À mon tour. Pitié, me tuez pas. Envoyez un mail, je dis. Bon, y a des mecs qui... Vous là, stop.
Ok, mettons feu à tout ça. C'est à notre tour. À notre tour de quoi? Regardez, il va se passer un truc incroyable. Peut-être s'éloigner par contre. Tous choisis. Regardez tout ce beau pétrole, Seigneur. Il jaillit en attendant de devenir une belle fontaine de douleur et de destruction. Ouais. Des rouges. Effectivement, ça m'intéresse. Effectivement. Faire sauter la moitié de la vallée. Oh, oh, oh. Ah. Eh ben au moins la glace elle a fondu. Très bien. Et on a massacré le camp de rebelles. Excellent. Et puis en plus on a mis une ambiance quand même plutôt pas dégueulasse dans le camp, dans les environs, on est d'accord. Aïe, ça brûle. Ah bah tout de suite je trouve ça mieux. Un village en feu, des plaines enneigées fondues, voilà, c'est ça. On m'appelle réchauffement climatique. Alors désolé hein, du coup, mais de toute façon c'est pas comme si... voilà, je pense que... voilà, ils acceptent leur sort en fait, c'est vraiment... Bon bah puisque c'est ça, hein, bon bah puisque c'est ça, mais... Oh. Voilà, bah merci, bah, c'était sympa. Alors on peut remettre le navire en route. Ce qu'on va faire. C'est pas encore la fin du tournage, on va encore peut-être faire un épisode. Envoyez 10 larbins pour activer le navire. C'est parti. Alors, je suis sur la plateforme en surveillance. Activez le navire. Prenez la mer. Oh là, oh là. Oh. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Oh là là. Oh, c'est moi qui contrôle. Oh le malaise. Ah j'ai des tireurs, ah c'est cool. On peut faire une marche arrière. Ah ça c'est pas mal par contre, c'est bienvenu.